Bonsoir. Dans notre domaine de communication, nous allons encore faire un point de la situation au niveau du Burkina Faso, puisque nous sommes à cheval pour vous donner les informations de première main et des informations qui sont irréfutables, implacables, que personne ne peut mettre en doute. Dans cette dynamique, je viens encore une fois de plus vous donner, n'est-ce pas, les informations du moment à cet instant T. Et n'oubliez pas, peut-être que tout à l'heure sera en direct, donc je pourrais vous faire comment, un débriefing par rapport à la situation. Depuis hier, nous sommes dans une constance, une logique de communication. Ma foi, nous sommes dans une droiture pour être objectif, pour être crédible, comme nous le sommes à nos habitudes. Dans cette même dynamique, dans cette même veine, nous sommes encore en train d'être dans une autre proportion de communication, c'est-à-dire que la fiabilité est encore accentuée à 1000%. Frères et sœurs, nous avons annoncé depuis hier que Dami Ba s'était plié. Nous avons dit que Dami Ba s'était fini. On ne savait pas que Dami Ba était dans une velléité de conservation du pouvoir. Dami Ba veut s'agripper au pouvoir, s'accrocher au pouvoir parce que lui, Dami Ba, il est né avec le fauteuil présidentiel. Dami Ba qui est venu au pouvoir par un coup d'état, lui qui a balayé, comment dire, Roch Marc Christian Kabore, décide, coûte que coûte, vaille que vaille, de s'accrocher à un fauteuil. Le fauteuil qui ne lui appartient pas. C'est ainsi que Dami Ba a décidé de lancer une contre-offensive aujourd'hui, en journée. Des hélicoptères de combat avaient décollé. Et je vous informe que la gendarmerie burkinabé s'est mise en retrait. La gendarmerie burkinabé n'est pas partie prenante de la situation. Parce que le commandant, le chef de la gendarmerie burkinabé se trouve actuellement, je vous parle, à propos du Lassio, où ce matin, il a présidé une cérémonie de la 40e promotion, si je ne me trompe pas, qui avait été remise, n'est-ce pas, à une date ultérieure, mais qui a eu lieu ce soir, ce jour, pardon. Alors, la gendarmerie, n'est-ce pas, n'est pas dans ce combat. C'est-à-dire que, comme je vais vous expliquer encore une fois de plus, ce combat, ce n'est pas un coup d'état d'une autre corporation, c'est-à-dire que d'une frange de l'armée burkinabé. Non. Le MPSR, qui est le, comment dirais-je, l'aile qui a fait le coup d'état au Burkina Faso, avait mis à sa tête Dami Ba. Dami Ba était le chef, n'est-ce pas, de MPSR. C'est ce même groupe-là qui a enlevé Dami Ba. Et donc, normalement, et comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, en journée, il ne doit pas avoir de fusion de sang. Et il n'y aura pas de fusion de sang. Nos appels sont suivis et écoutés depuis Ouagadougou partout, à propos de l'Ouassou partout, à Pogo, à Po partout, on nous écoute. C'est dans cette dynamique. Je vais également demander encore à vous qui m'écoutez de partager, de ventiler cette communication. Dami Ba actuellement, il est retranché dans un camp militaire. Il est caché, protégé par une puissance étrangère. Selon nos informations, une base française. Le camp de quoi là? Il y a un camp militaire là-bas, le nom m'échappe. Dami Ba est retranché là-bas. Et donc, comment j'en suis? Parce que la garde que Dami Ba a actuellement, les personnes qui le surveillent sont dans ce camp. C'est eux qui communiquent, qui ont communiqué, qui ont donné leur position. Et Dami Ba a été géolocalisé en fonction de ces éléments qui sont avec lui. Ce n'est pas une frange de l'armée qui est avec Dami Ba, non. Vous savez qu'une personnalité comme Dami Ba a obligatoirement sa garde rapprochée. C'est cette garde-là qui est avec lui actuellement. Il n'y a pas, comment dire, une frange de l'armée qui est dans la danse afin de pouvoir faire un coup d'état, un contre-coup d'état, non. C'est les éléments qui sont avec Dami Ba qui veulent faire, voilà, le camp de Kabouinsé, voilà, le camp de Kabouinsé, c'est là-bas qu'il se trouve. Et donc, c'est cette frange-là, une minorité qui veut combattre. Mais je vous ai dit ce matin, et je vous ai dit hier, qu'il n'y aura pas de bain de sang. Par contre, si Dami Ba veut passer les pas à trépas, alors qu'il engage le combat, parce que le combat est déjà perdu d'avance. Et en journée, je vous ai dit que 90% des forces actuellement sont en faveur du capitaine Ibrahim Traoré. Et selon mes informations, c'est mon cousin lointain. C'est un cousin lointain. Donc bientôt, je m'en vais au Burkina.
Voilà, j'avais trouvé mon oncle, comment dirais-je, au Mali, mais cette fois-ci, mon cousin, maintenant, je l'ai trouvé au Burkina. Donc, bientôt, je serai au Burkina. Alors, c'est parti, j'ai bloqué, si j'ai bloqué. Allez, bloqué. Bloqué, bloqué. Les soutiens de Damiba, il faut les bloquer. Merci, le camp de Cambouincé, merci beaucoup. J'ai trouvé mon cousin et mon oncle au Mali. Mais ça, parce que j'ai trouvé mon cousin au Burkina. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Lui qui a pris le pouvoir, c'est mon cousin. Alors, frères et sœurs, Damiba fuit comme un rat. Damiba, il a fui comme un rat. Il est caché dans les camps, n'est-ce pas, de Cambouincé. Actuellement, où je vous parle, des milliers de jeunes sont en train de déferler là-bas pour aller déloger Damiba. Là où je vous parle, des milliers de jeunes burkinabés sont en train de déferler là-bas pour aller déloger Damiba. Lui qui a pris goût au champagne, au caviar, au tartare, aux huîtres. Un militaire, n'est-ce pas, au frayon. Un militaire au frayon qui décide d'enlever le treillis pour des costumes. Alors, Damiba est caché dans ce camp. Donc, actuellement, où je vous parle, des milliers de jeunes burkinabés sont en train de déferler parce que la révolution est en marche. La dynamique est en marche et personne ne parle de cette révolution. Maintenant, il y a le chef, l'actuel chef de l'État, si je peux le dire ainsi, le patron, c'est-à-dire que lui qui commande pas le Burkina, vient de faire une déclaration tout à l'heure. Il a été interrogé par la radio Omega. Il a parlé. Damiba était vraiment une peste à la tête du Burkina Faso. Damiba était vraiment un bras cassé, un incapable. Il avait été averti, il avait été alerté, mais ce monsieur était dans un confort. Il a oublié sa vocation, la vocation de soldat, la vocation de militaire, la vocation de donner n'est pas son sang pour la patrie. Damiba maintenant a troqué les costumes pour les belles vestes, pour les beaux par-dessus, pour les Louis Vuitton, pour les Versace, pour les Gucci. Et donc maintenant, Damiba a été renvoyé n'est pas à sa copie des soldats. On a pris le pouvoir pour le peuple, pour défendre, n'est-ce pas, pour restaurer l'État burkinabé, pour restaurer et pour défendre notre patrie. Pas pour aller à New York, pour aller faire des discours creux, parlant de Taïwan, parlant, n'est-ce pas, de Palestine. C'est pas notre problème. Alors, ça frustrerait, n'est-ce pas, les soldats qui ont pris les armes. On va écouter ici maintenant le président, le chef actuel de la mutin, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a quelque chose à vous dire. On va écouter. Partagez, invité. Ah, Pompé! Pompé, je demande à vous tous, à tous les jeunes burkinabés, de rester vigilants, de rester sur vos gardes, de rester vigilants, parce que Damiba, il est caché là-bas, il a voulu faire une contre-offensive en journée. Damiba ne reviendra plus jamais encore au pouvoir. Damiba, il n'a pas le droit de revenir encore au pouvoir. Parce que s'il revient, il va vous mater. Il sera le pire dictateur du Burkina Faso. Alors, c'est votre jour qui est là. Faites barrage au prix de votre vie. N'acceptez pas que cet incapable revienne au pouvoir. Faites bouclier. Protégez votre patrie. Protégez votre révolution. N'échouez pas. Personne ne va vous imposer Damiba. C'est quelqu'un qui est mal aimé par vous. Et c'est à vous de choisir votre dirigeant. Damiba était chassé qu'il parte. Et personne, aucune puissance étrangère ne va imposer Damiba à vous. Et d'ailleurs, toute puissance étrangère qui va se mettre dans ça va subir la foudre du peuple burkinabé. Parce que personne, aucun État n'a le droit d'ingérence dans une situation intérieure d'un pays. Ça concerne les Burkinabés. Alors, les États-Unis, la France, la Côte d'Ivoire et autres n'ont pas le droit de s'immiscer dans la politique intérieure du Burkina. C'est eux qui savent ce qui est bon pour eux. Damiba a été chassé, mal aimé, incapable, incompétent, alors il faut qu'il parte. On y va. On va s'écouter ici. Partagez, on va écouter le colonel qui vient à peine de faire une déclaration sur la radio Omega. C'est parti. On va écouter le colonel. Mon colonel, voilà, il est là. Partagez. On va l'écouter. Tous les panafricains doivent soutenir le Burkina. Tous les panafricains doivent soutenir le Burkina Faso. Tous les panafricains dignes de ce nom doivent soutenir le Burkina Faso. Et le 8 de ce mois, le samedi prochain, on sera à Paris, à Château Rouge, manifestation gigantesque jusqu'à la République pour fêter, pour savourer, pour démontrer
que le panafricanisme est en marche. Le combat de Lumumba, de Ernest Wangé, de Amilcar Cabral, de Oumoumié, ce combat n'est pas mort. Le combat de Sékou Touré, de Modibo Keïta, ce combat n'est pas mort. Des Djinn fils ont ressuscité le combat là. Le combat de Sankara n'est pas mort. Alors les Burkinabés, les Maliens, les Togolais, les Béninois, les Tchadiens, Ivoiriens, le 8, nous sommes à Château-Rouge. On va écouter le colonel, c'est parti. Dans la population, et cette guerre, de toute façon, ça ne se mène pas comme nous l'entendons. Écoutez. La peur de l'homme, du combat. Écoutez. On apprend que le lieutenant-colonel Damien. Attendez. On apprend que le lieutenant-colonel. Partagez. Colonel Damiba est réfugié au niveau du. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation en ce moment? La situation en ce moment, il y a de la manipulation de l'information et de la manipulation des esprits. Mais nous, on est esprit, on sait ce qu'on fait. Nous savons pourquoi nous sommes là. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. On apprend que le lieutenant-colonel Damiba est réfugié du camp de Camboinsin. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne peux pas confirmer parce que je ne l'ai pas vu partir là-bas. Mais selon les informations des hommes, ces hommes qui le croient qu'ils sont avec lui, ils nous informent aussi. Par leurs informations, on pense qu'il est là-bas. C'est pour mener une contre-offensive, mon capitaine. On a mené une contre-offensive ce matin. C'est pour cela qu'on a entendu des tirs dans la ville. Voilà, donc une partie des forces spéciales a été envoyée, peut-être, et j'insiste, ils ne connaissaient pas leur mission. La base aérienne aussi est manipulée. Les hommes avaient commencé à monter un truc. On a réussi à calmer la situation pour que ça ne dégénère pas. Ok, mon capitaine, est-ce que vous avez un message à l'endroit donc des Burkinabés en ce moment? Mon message à l'endroit des Burkinabés, c'est l'expression de cette vérité-là qu'il faut que tu m'amènes à parler. Il s'agit pour nous de ramener la quiétude dans la population. Et cette guerre, de toute façon, ça ne se mène pas comme nous l'entendons. La valeur de l'homme, du combattant, n'est pas leur premier souci. Plusieurs fois, les hommes meurent comme des mouches, mais on ne change jamais. Partagez. Les problèmes logistiques mineurs persistent avec les hommes. Et à cause de certaines pannes, vous pouvez être attaqué sur des positions. N'oubliez pas dernièrement le convoi de Goumi, où il y a des civils qui ont perdu la vie, qui sont restés sur position parce que ce convoi sur la route de Djibo, nous avons plusieurs fois dit, le premier convoi où on a eu 15 mois, c'était des jeunes 2021. Nous avons combattu cette manière de faire parce qu'il faut changer. Et non content de ça, l'escorte logistique, la dernière fois encore, c'est des jeunes 2021 qui ne savent même pas bien tenir une Kalachnikov qui se retrouvent dans une escorte logistique. Nous avons écrit plusieurs documents pour que l'armée même participe au développement de cette nation. En fait, il faut révolutionner notre production, révolutionner notre agriculture. On conquiert les terres, on les installe et on les aide à produire pour qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur. Nous avons des terres, nous pouvons produire. Donc c'est tout notre combat comme ça. Parce que lorsque nous nous rentrons dans la brousse et que nous voyons des gens, comme dans les images, comme ce qu'on voyait en Somalie, la peau sur les os, ça fait pleurer. Manger toutes les feuilles des arbres, les herbes et ainsi de suite, on n'arrive pas à supporter ça. On demande à ce qu'on change de contexte, ça ne change jamais. Donc là, ça nous pose problème. Vous n'avez pas pour le moment la même mise sur Damiba? Nous n'avons pas la même mise sur lui parce que nous n'avons pas voulu faire couler le sang hier matin. Nous sommes venus dans une logique en priant Dieu, ne même pas blesser un soldat. Et voilà, même lui-même, on n'a rien contre sa personne. On n'avait aucune intention de le traduire devant une justice ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça l'intention en fait. C'est pour qu'il se repose parce qu'il est fatigué. Et nous allons essayer de faire et donner notre élan. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment surpris que c'est désolant qu'il veuille que nous nous affrontions. Et nous sommes sur nos positions. Et je sais que les jeunes soldats, la plupart, ils me connaissent. Les jeunes officiers, on a les mêmes idéaux. Je pense qu'eux, ils ne vont pas se laisser manipuler par ça. Voilà pourquoi il n'y a pas d'affrontement jusque-là. Non. Voici ici le propos du capitaine. Je vous ai dit hier que Damiba s'est terminé. Damiba s'est terminé, s'est plié. La situation est irréversible. Damiba s'est terminé. Ceux qui l'ont mis par terre là, ceux qui l'ont déposé là, c'est les mêmes gars qui l'avaient mis au pouvoir. Donc, tu vas compter sur qui? C'est les mêmes gars là, même élément là, sur qui tu t'appuyais de par ton pouvoir, ta force, c'est eux. Même hier, ils ont dit notre leader. Ils ont vu que Damiba, il était un incapable. Et c'est eux qui l'ont démis. Et donc, les autres forces là n'ont absolument rien à voir dedans. À part, c'est une continuité. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une rectification.
au Burkina, ce n'est pas un coup d'État actuellement, c'est une rectification. Il faut ajuster la chose parce qu'elle n'est pas bien placée. Et quand c'est mal placé, il faut bien garer la voiture. Quand on met un panneau et puis on dit le véhicule ne doit pas garer ici et tu gares. Quand la police vient, on dit monsieur c'est interdit, tu vas aller bien garer. Alors, Damiba, la feuille de route que cette génération dynamique, comme je vous l'ai dit, dans tous les arcanes, n'est-ce pas, dans toutes les couches, en Afrique, militaire, politique, avocat, docteur, partout, il y a une nouvelle impulsion, il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle approche, la génération consciente. Lui là, il est très jeune, il a 34 ans, c'est un jeune frère. Moi, c'est mon cousin de lointain. On m'a appris ça hier. Et donc, voici sa dynamique dans laquelle il est. Et Damiba comptait sur eux. Mais ils ont dit que non, c'est pas ce que nous on a demandé. Nos camarades sont tués au front. Et toi, au lieu de traiter avec des personnes qui peuvent nous aider, d'avoir des partenariats gagnant-gagnant, même avec la Russie. On peut tous dire tout ce que vous voulez de la Russie, mais la Russie au moins apporte les hommes et ce qu'ils font, les dotations aux armées ou avec lesquelles elles travaillent. Mais cette Russie-là, on parle de balayer pour dire non, mais des droits de l'homme. Mais les autres, pendant 60 ans, ils ont apporté quoi à l'Afrique francophone? Ils n'ont absolument rien apporté. Pendant 60 ans, qu'est-ce que notre partenariat avec la France a apporté? Zéro. Et il a dit, d'ailleurs, il n'y aura pas de bain de sang. Et je dis ici encore aux soldats qui sont en train de douter, de tergiverser. Damiba, vous avez enlevé un président élu pour le faire asseoir. Il n'est pas né avec le fauteuil présidentiel. Il est encore temps de quitter ce navire parce qu'il sera trop tard. Parce que si vous persistez dans cette veine, puisque vous êtes esselé, vous êtes circoncis dans un endroit donné, et personne ne viendra vous sauver. C'est la justice, ce sera intraitable. Mais si jamais il y a un bain de sang, vous serez arrêté parce que vous serez défait. Vous serez défait, mis au arrêt, et vous serez jugé par la justice. Il est encore temps de prendre la poudre d'escapette. Mais Damiba, c'est terminé. Et tous les soutiens de Damiba, nous vous demandons de rentrer dans la République. Et tous les mercenaires qui ont été envoyés au Burkina Faso, puisqu'on apprend qu'il y a des mercenaires, le Burkina sera votre cimetière. Mais ceux qui sont rentrés ne vont plus sortir. Ceux qui sont rentrés au Burkina ne vont plus sortir. Des mercenaires y ont été envoyés. Mais ça sera votre cimetière pour de bon. Parce que l'armée est dans la donne, est dans la dynamique de Ibrahim Traoré. Alors encore, une fois de plus, il a dit qu'il n'y aura pas de bain de sang. Puisqu'ils n'ont pas voulu cela. Parce qu'ils pourraient l'allumer. Ils pourraient allumer Damiba. Mais ils ont dit non. C'est eux qui ont fait le combat avec lui. Par contre, il a chaîne, il n'est pas de paradigme. Au lieu d'aller à gauche, il est parti à droite. Alors, ils l'ont fait asseoir. Mais Damiba doit partir tranquillement. On n'a pas besoin de tuer les Burkinabés pour ça. Alors, jeunesse du Burkina Faso, c'est votre UBU international, sous les Paris, le framponneur B52, depuis ma bord. Je vous demande de rester vigilant, de rester alerte, de rester debout, parce que Damiba effectivement était le traître. Damiba était le traître. Il était anti-Burkinabé, il était anti-révolution. C'est Damiba qui ramène à contre-courant. C'est lui. Alors il a été démasqué parce que c'est lui aujourd'hui qui est un bain de sang burkinois. Il n'y aura pas de bain de sang burkinois. Damiba, c'est terminé. C'est fini, on passe à autre chose. Les carottes sont cuites. Et je vous dis encore, des sorties, puisque le coup fait ça à 21h, je vais voir encore les vidéos en masse. Envoyez-moi les vidéos. Faites le direct. Montrez au monde que le peuple burkinabé est debout. Et que personne n'est pas arrêté cette dynamique. Cet élan qui est lancé. Cette vague humaine qui marche actuellement. Oui. Que personne depuis Bobo Dioulasso, sortez, soyez debout. C'est important pour le combat. La dynamique dans laquelle vous êtes, c'est tellement important que personne ne doit vous distraire. Quel que soit le vuvuzela, manipulation des uns et des autres, comme l'a dit le capitaine Traoré, ils sont debout, droit dans les bottes,
pour lutter contre le terrorisme. Ils ont mis à l'écart Damiba. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une rectification. Il est bon de le signifier. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une rectification. N'en déplaise aux soufifs, aux zouaïs, aux bougnouls, aux bougnafiers, andouilles, fripouilles, les soudards, les soulards de Ouattara en Côte d'Ivoire qui pleurnichent partout. Parce qu'ils ont peur de leur fauteuil présidentiel. Un fauteuil usurpé, braqué, volé. Ils ont peur. Et donc quand il y a une rectification d'un pays, c'est eux qui sont en train de prier Dieu, appeler au secours la France. Il n'y aura pas de France au secours. Parce que la nouvelle génération est dans une autre dynamique, est dans une autre approche. Personne ne peut arrêter ce train qui est en marche. Personne. C'est à nous de prendre notre destin en main. Vous appelez qui vous voulez au secours, mais on vous dit, partout, la dynamique frappera. Elle frappera en Côte d'Ivoire. Elle frappera au Togo. Elle frappera au Niger. Elle frappera au Bénin. Elle frappera au Cameroun, au Gabon. La dynamique frappera partout. Mais c'est des jeunes. C'est des jeunes. Ils ne sont pas nés par les indépendances. Ils sont nés après les indépendances. C'est des jeunes, ils ont compris qu'on doit changer de donne. Et ils ont compris que l'Afrique ne peut se sauver tant qu'il n'y a pas de courageux. J'ai dit la donne, la dynamique, l'élan frappera en Côte d'Ivoire. Ça frappera au Bénin, au Togo, au Tchad, au Gabon, au Cameroun, dans tous les pays francophones où les satrapes sont au pouvoir. Dans tous les pays francophones où les dictateurs sont au pouvoir, oui, ça frappera et personne ne pourra arrêter ça. Écrivez ça. Personne ne va arrêter cela. Nul ne peut l'arrêter. C'est le vent. Personne ne peut contenir le vent. Écrivez ça. Ça frappera en Guinée-Bissau. Ça frappera en Guinée-Bissau. Dans tous les pays de collabo, la dynamique frappera. Et ça sera redoutable. Il est encore temps de changer de fusil d'épaule. Parce que la nouvelle génération connectée, elle est prête à en finir avec le paternalisme, avec le tutorat. Ainsi va l'Afrique. Mettez le cœur partagé. Vive l'Afrique libre. Vive l'Afrique libre. Ingeta, elle frappera au Congo. Elle frappera à RDC. La dynamique frappera partout où des satrapes, des dictateurs, des présidents félons sont au pouvoir accrochés, comme Ali Bongo en Diba, comme Paul Biya au Cameroun. La dynamique frappera partout. Ça, la dynamique va déloger ses satrapes partout où ils se trouvent. Même aux chiottes, ils seront délogés. Même aux chiottes. La nouvelle génération n'acceptera plus jamais la honte, n'acceptera plus jamais le mépris, n'acceptera plus jamais l'esclavage. Alors, nous allons combattre les colons locaux, les collabos locaux. On va les combattre et ils seront défaits tous dans tous les pays francophones avec lesquels ils traitent. Ils seront tous mis au pas. Ainsi va l'Afrique, aujourd'hui réveillée, dynamique, debout, forte. Alors, partagez, invitez, Burkinabé, restez debout. La marche est en marche. La marche est en marche. Et nous sommes en marche. Allez, à tout à l'heure.